Alors, bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans un hall Nose et Action. Pour cela, j'ai fait donc deux magasins, j'ai fait le magasin de Cholet et les magasins de Bressuire. Et donc, j'ai trouvé pas mal de petites choses. Donc, nous allons commencer par le Nose. Donc, au niveau de Nose, j'ai pris donc des petites cartes papicolores. Il y en a 50. Elles sont, la couleur que vous voyez à l'écran, hein, c'est bien révélé. Elles sont un tout petit peu plus foncées. Donc un petit peu pêche saumon, un petit peu rosé. Donc il y en a 50 dedans au prix de 1,99€. J'ai ensuite trouvé donc, sur le Nose de Cholet des petites enveloppes. Hein. Des toutes petites enveloppes comme celle-ci. Est-ce qu'elle a mise au point, voilà, des petites enveloppes comme celle-ci, donc jaune, un petit jaune clair, donc ces petites enveloppes, il y en avait donc 50 à l'intérieur, au prix de 1,99€. Dans la même série, j'ai pris les bleus roi, sont très jolies également, donc ça va être pour mettre dans mon album Amsterdam, parce qu'au niveau des couleurs, attendez que je sors l'album est en réalisation, et vous voyez, on a l'étiquette Amsterdam, c'est quand même pas mal, et les papiers sont vraiment dans ces tons là, en fait, hein. On a, ça va être plutôt relativement bien accordé. Donc, les petites enveloppes bleues. J'ai trouvé des petits embellissements en acrylique à 79 centimes la planche. C'est de la marque Icicles, je pense. Donc, il y a les verts pommes. C'est légèrement brillant. Là, vous le voyez bien, c'est légèrement brillant. En bleu. Et j'ai trouvé également les petites étoiles. Donc, tout ça à 79 centimes. Ensuite, j'ai acheté ceci. Donc ceci à 1,50€. C'est ni plus ni moins. Je vais vous le déplier pour vous montrer ce que c'est. Voilà, c'est une petite poubelle de bureau qui s'empile et qui se déploie. Donc quand on veut la laisser plier, on met l'élastique autour. Et là, elle reste pliée, elle ne prend pas de place. Donc pour mettre dans un trolley de scrap, c'est vraiment super sympa. Ensuite, j'ai pris des lots de petites mousses comme ça, à 75 centimes. J'en ai pris deux. Donc ça, c'est pour la gesso, pour faire des pochoirs, etc. En jaune très électrique, j'ai pris ce lot d'enveloppes à 69 centimes et on a à l'intérieur 10 enveloppes. Ensuite, j'ai pris donc toujours des enveloppes, toujours à 69 centimes, mais là c'est un format A5. Donc, je trouvais ça plutôt intéressant en dimension. Et ensuite, j'ai trouvé des alphabets. Qui sont assez épais, hein, vous pouvez constater, c'est plutôt épais. Donc les alphabets, l'écriture, moi j'aimais bien la forme d'écriture. On a plusieurs lettres de chaque, donc vous avez les marrons, et vous avez les bleus jeans, qui sont vraiment très très sympas. Et donc les planches d'alphabet étaient à 79 centimes. Donc voilà pour... non, j'ai trouvé également un os. Donc les petites enveloppes, on les a vues sur plusieurs hauts. Les petites enveloppes craft à 89 centimes. Il y en a 10 à l'intérieur. Et puis j'avais vu ça sur un haul. Moi je suis tombée dessus à Bressuire. Des petits... je sais pas comment ça s'appelle ça. Donc des petits cercles, ils appellent ça des cercles pailletés roses. J'aurais bien voulu trouver les bleus mais ils n'y étaient pas. Mais c'est surtout, je me suis dit qu'en mettant un...
polaroid, un rhodoïde à l'intérieur, on pourrait aussi l'utiliser pour faire des petites checkers. Et donc les petits cercles étaient à 1 euro. Donc voilà pour nos. Bon, il n'y avait pas des choses. Ah si, il y a autre chose. Je n'ai pas vu. J'ai également trouvé à nos de Bressuire des petits embellissements, des petits stickers en fait dorés. Qu'on a pour tour transparent, donc ça, je trouvais ça plutôt sympa, à 59 centimes. Et j'ai également trouvé un lot comme ça de feuilles, de feuilles 30-30 de la marque donc je ne sais pas quelle marque c'est. En gros, la gamme, c'est October Afternoon. Et c'est en fait plein de petites cartes de Project Life qu'on peut découper. Et moi, je trouvais ça plutôt sympa. Elles sont recto verso. Et dans le lot, il y a exactement, je ne sais pas combien de feuilles. Par contre, c'est que les mêmes feuilles. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y a 12 feuilles, il y a 12 pages à l'intérieur. Donc moi je trouvais ça rigolo, j'aime pas tout hein, dans les die cuts, mais soit j'aime l'endroit, soit j'aime l'envers. Donc ça sera facile à utiliser, ou même à échanger, je verrai ça plus tard. Donc voilà pour le haul Nose. Il y avait quand même des bonnes petites affaires. Moi l'arrivage appli était toujours pas là, enfin je suis allée que sur Bressuire hier, donc il n'était pas là. Je retournerai certainement sur Cholet cette semaine pour voir si appli est arrivé. Mais nous, on n'avait rien ni sur Bressuire ni sur Cholet. Ensuite, j'ai fait des achats donc aux actions. Donc sur Cholet, j'ai trouvé très peu de choses. Enfin, pour ainsi dire, rien sur Cholet. J'ai vraiment fait le action de Bressuire parce qu'ils avaient reçu pas mal de nouveautés. Donc hors scrap, j'ai racheté des bouées pour partir en vacances pour les enfants. Et pour décorer l'extérieur de ma maison, j'ai trouvé ces petites lunettes. C'était un cadre en fait, mais je trouvais ça rigolo. Donc j'ai pris ça pour décorer la maison. J'ai enfin trouvé les petites trombones. Enfin les petites, elles sont quand même assez grosses. Les argentées et les gold. Donc ça, je sais que j'en ai pris deux. Je ne sais pas où est la deuxième, mais j'en ai pris deux. Et les petits diamants. Pareil en gold et en argenté. Donc les prix, je ne les ai pas. Enfin, vous savez que c'est des produits actions, ça ne coûte pas extrêmement cher. Voilà, c'est souvent moins d'un euro, sauf les gros trucs, mais c'est souvent moins d'un euro. J'ai également pris des petites boîtes de grosses pinces pour tenir les projets. Je trouve ça super bien. Bon, je ne les utilise pas pour le scrap, mais c'est vraiment pour tenir mes feuilles quand je fais des projets. Ça abîme pas les feuilles et je trouve ça plutôt intéressant. J'ai trouvé ce ruban qui est assez large, il y a 6 mètres, mais j'aimais beaucoup le système du beige marronné avec les pois blancs. Je trouvais ça vraiment sympa, je trouve que ça va avec un petit peu tous les styles, enfin tous les styles que moi je scrape. Mais voilà, je m'étais dit que ça sera un produit limite facile à utiliser. J'ai pris pour ma fille des crayons, des brush pen, donc j'ai pris les deux paquets, les couleurs vives et les couleurs pastel. Ça c'est pour ma fille parce qu'elle s'est mise à faire un bullet journal. Donc je me suis dit que c'était plutôt sympa pour elle. Elle va pouvoir tester différentes écritures. C'est des pointes fines, hein, des 0,5 mm. Donc ça voilà, ça va être pour qu'elle puisse s'amuser un petit peu sur son bullet. J'ai pris ces lots de papier à embosser. Donc on a toutes ces couleurs là. Ils sont très très pailletés, un petit peu holographiques finalement. Alors je vais juste vous les faire pour vous montrer. On a donc différentes couleurs. Et en fait ça va essentiellement me servir à faire des découpes. J'aime bien quand je rajoute des petits feuillages, mettre des petits feuillages irisés ou nacrés. Et là je me dis que ça peut être sympa finalement d'avoir des découpes encore d'un autre style. Donc moi je vais vraiment l'utiliser essentiellement pour ça. Et parce que c'est quand même assez fin, c'est un papier, vous voyez, c'est un papier très très fin. Donc moi ça va être utilisé que pour de la découpe, pour améliorer en fait mes embellissements.
J'ai trouvé également des lots de rubans. Des petits lots de rubans organza. Donc il y avait 4 couleurs. Moi j'ai pris les 4 couleurs. Dans les tons roses. Dans les tons verts. Dans les tons bleutés. Et dans les tons marron, gris, or. Donc ça je trouvais ça plutôt chouette aussi. Toujours dans les pinces. J'ai pris des petites pinces comme ça. Ça je trouve que c'est sympa pour même pour fermer des albums. C'est plutôt une bonne idée. J'ai trouvé également les lots de tampons. Donc, il y en avait d'autres. Hein. Moi, j'étais vraiment intéressée par ce tampon-là pour les bocaux. Celui-ci pour les gobelets et les donuts. Et celui-ci parce que je trouvais que ça allait déjà avec des thèmes que j'avais en fait en scrap. Hein. Les petits animaux, il y a certains thèmes, même de die cut de chez Action, où on retrouve le petit hérisson, où on retrouve le petit renard, donc je trouvais ça plutôt sympa. J'ai également acheté des lots de paillettes, donc il n'y avait que cette couleur-là. Quand je trouverai les autres, je les prendrai, parce que moi je vais les utiliser pour le scrap, hein, mais surtout en onglerie. Donc ça, je trouvais ça plutôt sympa, il y a des couleurs qui sont hyper actuelles. Les verts un petit peu, les bleus canards, les bleus turquoise, c'était plutôt sympa. J'ai également acheté deux cols, donc une Tati Glue et une All Purpose. Pourquoi? Parce que je vais vous faire un tuto pour vous, les personnes qui commencent le scrap ou qui ne savent pas toujours quoi acheter comme col. Je vais leur présenter ces deux cols-là lors d'un tuto. J'ai racheté donc des lingettes, ça c'est pour nettoyer mes plans de travail en scrap. Hein. Et j'ai acheté des lots de boîtes hein, en carton, dont j'ai pris ce modèle-là. Et j'ai pris un autre modèle noir. Alors j'ai pas assez grand en écran hein, pour toutes vous les montrer entièrement. J'ai pris également le modèle avec les étoiles. Ça. Et puis le dernier achat dont j'étais un petit peu, j'étais très contente de les trouver, c'est les crayons feutre aquarellables. Je n'ai trouvé que les bleus, donc j'espère pouvoir trouver les autres couleurs assez rapidement. Mais bon, déjà je vais pouvoir m'amuser un petit peu avec celle-ci. Mais voilà, il faut vraiment que je trouve les autres, parce que ça c'est des produits, moi l'aquarelle j'utilise beaucoup beaucoup. J'ai déjà des petits feutres aquarellables, mais là ceux-là ils sont bien parce qu'ils ont toutes les nuances, toutes les déclinaisons de couleurs et c'est plutôt pas mal. Et je vais vous montrer aussi un livre que j'ai acheté. Donc là, pour cette fois, c'est Acultura. J'ai fait quelques petits achats parce que je voudrais me créer un happy planner. J'ai pas trouvé ceux de Heidi Swap Acultura. Mais du coup, j'ai refait des cases dans le planner hein, et je vais agrémenter avec des photos. Et des petits journaling des semaines qui vont passer. Donc je vais le commencer cet été parce que je voulais me faire un summer happy planner. Donc voilà, j'ai pris ça. J'ai pris donc le lot comme ça de tampons pour aller avec. Et je me suis pris de la marque Toga. Alors attendez, laissez-moi pas que je fasse tout tomber. De la marque Toga, j'ai pris la planche tropicale. La planche clic-clac. Donc ça c'est des séries que j'ai déjà. En fait j'ai déjà les papiers de ces gammes là. Donc ça va pouvoir me permettre de faire des petites cartes pour mettre dans mes cases. De chez Artemio, j'ai pris donc cette gamme là. Je ne sais plus comment elle s'appelle celle-ci. Ouais, je ne sais plus. Donc celle-ci j'ai pris en deux fois parce que j'aime beaucoup le papier. C'est des choses que je vais utiliser beaucoup. Et j'ai pris le pochoir comme ça des jours de la semaine. Donc ben, quand je ferai ma première semaine de juillet, je la ferai en vidéo, je pense, pour vous mettre un petit peu ma façon de procéder pour faire mon happy planner. J'ai déjà mis donc les crayons que j'avais achetés à Action, j'ai mis pas mal de choses, ma petite règle, ma petite équerre à angle droit, j'ai mis pas mal de choses à l'intérieur pour pouvoir commencer tranquillement mon happy planner. Eh bien écoutez, je vais vous souhaiter une très très bonne journée. Là c'est une petite vidéo haul rapide.
Je ne sais pas quand est-ce que je referai une vidéo parce qu'on arrive en saison d'été. Comme beaucoup d'entre vous le savent, j'ai énormément de travail en été. Donc, j'espère vous faire une haul astuce col double face. Mais voilà, on verra quand est-ce que cette vidéo sera en ligne. Je vous fais des gros bisous et je vous souhaite une très très bonne journée. Bye!